La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par Madame Mathilde Panot et 74 membres de l'Assemblée. La Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la seconde partie et de l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Donc nous avons plusieurs personnes inscrites et donc nous avons Madame Charlotte Leduc pour le groupe de la France Insoumise. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, Que dire quand c'est la 9e fois en 8 semaines que ce gouvernement bafoue la légitimité de l'Assemblée nationale à coup de 49-3 ? Que dire quand l'esprit même de la Constitution de la 5e République, que nous, insoumis, ne portons pourtant pas dans notre cœur, est à ce point détourné ? Car rappelons-le, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution a été pensé pour discipliner une majorité présidentielle. Mais puisque vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas de majorité, vous vous en servez pour bâillonner les oppositions. Elle paraît bien loin, la promesse du compromis. Que dire lorsque l'on voit déjà pointer à l'horizon un 10e 49-3 dans les jours à venir ? À 10 49-3, le 11e est offert. On a l'impression d'ouvrir un à un les petits volets d'un calendrier de l'Avent, avec pour cadeau ultime le 49-3 en or, celui qui fera passer en force la réforme des retraites dont personne ne veut et dont nous n'avons pas besoin. Si ce n'est pour payer votre politique de cadeau aux plus riches et d'austérité pour les autres. Alors que dire en cet instant où me revient la tâche de me lever à mon tour après 8 autres de mes camarades pour proclamer une 9e fois devant les représentants de la nation que nous refusons fermement votre mépris des institutions démocratiques du pays ? Que dire ? Oui, eh bien, il me semble important de rappeler que tout ceci n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans une partie de ping-pong. Non, nous ne sommes pas dans une joute qui mérite qu'on en rie comme vous le faites à mesure que vous égrenez les 49-3. Nos motions de censure sont notre défense à nous parlementaires que vous piétinez et elles reposent sur des contestations de fond. Car le budget que vous souhaitez faire définitivement adopter sans débat et sans vote, car c'est de cela dont il s'agit ce soir, ce budget aura des conséquences concrètes sur des millions de nos compatriotes. Oui, ce budget austéritaire, et notamment la partie dépenses qui nous intéresse aujourd'hui, se traduira par un approfondissement de la précarité, de la pauvreté et de l'exclusion pour tant de Françaises et de Français. Mais vous, vous vous réjouissez de ne pas avoir augmenté les impôts des Françaises et des Français, mais c'est pour mieux masquer votre refus de taxer les super-profits réalisés par les profiteurs de crise. Et pendant ce temps-là, l'inflation fait augmenter la TVA, impôt injuste et dégressif qui étrangle les plus modestes. Vous vous félicitez de vos chèques carburants et autres petites aumônes temporaires et mal ciblées. Pourtant, ces aides ponctuelles ne permettent pas de protéger le pouvoir de vivre des citoyennes et des citoyens, mais représentent une subvention bien réelle pour Total et d'autres multinationales accros aux aides publiques. Vous vous congratulez pour le maintien du bouclier tarifaire, mais ce n'est plus qu'un bouclier en carton, puisque votre budget prévoit l'augmentation de 15% des tarifs du gaz et de l'électricité dès les premiers mois de l'année 2023. Cela n'a d'ailleurs rien d'un hasard ou d'une contingence. C'est la conséquence directe de l'ineptie de vos choix stratégiques et des contradictions qu'ils contiennent. Par cette politique de mesurettes subventionnées, vous avez voulu atténuer un peu les conséquences de l'inflation pour vous prémunir contre l'explosion sociale qui guette. Sans doute, l'expérience des Gilets jaunes est-elle encore fraîche dans vos mémoires et vous fait craindre la puissance du peuple mobilisé. D'un autre côté, vous tenez dogmatiquement à obéir aux injonctions européennes sur l'équilibre budgétaire. Et c'est là qu'apparaît la contradiction ultime qui conduit à votre fuite en avant. Pour respecter les dogmes budgétaires que vous nous imposez, il vous faudrait mettre un terme à votre politique de subvention permanente face à l'inflation. Vous êtes donc dans l'impasse. Vous le savez et vous vous y enfermez et vous nous y enfermez avec ce budget inconséquent. Pourtant, des solutions alternatives existaient. Si vous aviez bloqué les prix et taxé les super-profits, vous n'auriez pas eu à choisir entre le respect des 3% de déficit et la protection des Françaises et des Français face à l'inflation. Mais bon, il faut bien reconnaître reconnaître un mérite, celui de la constance. Vous choisissez toujours le camp du dogmatisme néolibéral et la défense des intérêts des plus riches et des grandes multinationales face à l'intérêt général. Finalement,
Ce budget est un condensé de ce qui se fait de pire en termes de néolibéralisme. La suppression de la CVAE n'est qu'un énième cadeau fait aux grandes entreprises. Et pas un petit cadeau, car ce sont 8 milliards de manques à gagner pour les deux années qui viennent. Les restrictions budgétaires ou les augmentations de crédits inférieures à l'inflation, ce qui revient au même, doivent ensuite permettre de combler les trous engendrés par votre générosité en direction des plus aisés. Dans la société que vous dessinez pour nos compatriotes, les services publics sont abandonnés, les plus modestes sont appauvris, laissés sans protection face à l'inflation, tandis que les entreprises se gavent de subventions publiques, de baisses d'impôts et de cotisations pour pouvoir continuer à distribuer de plantureux dividendes aux actionnaires. Dans cette société, la puissance étatique se met entièrement au service des capitalistes, qui d'ailleurs ne pourraient continuer leur folle accumulation de fortunes démesurées sans cet appui résolu. À celles et ceux qui pensent que je noircis le tableau, je rappelle que les aides publiques à destination des entreprises représentent 157 milliards par an, ce qui en fait tout simplement le premier poste du budget de l'État, comme l'a montré le rapport de l'Institut de recherche économique et sociale paru en octobre dernier. Voilà donc le projet de société que vous imposez aux Françaises et aux Français avec vos 49.3 à répétition. Et pendant ce temps-là, toutes les propositions en faveur de la justice sociale, écologique et fiscale passent à la trappe. Où sont passés les 400 millions que nous réclamions pour les associations et les banques alimentaires pour faire face à la multiplication des situations d'extrême pauvreté dans notre pays ? Où sont passés les moyens attendus pour lutter contre l'évasion fiscale qui représente 100 milliards chaque année et abîme le contrat social dans notre pays ? Où sont passés les 3 milliards pour le développement du train, les 12 milliards pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments, pourtant votés par cette Assemblée il y a quelques semaines de cela? Ces millions et ces milliards ont disparu, à coup de baguette magique 49.3. Il n'y a pas d'argent magique, disait Emmanuel Macron à une soignante qui déplorait le manque de moyens à l'hôpital pendant la pandémie. En effet, votre tour de magie préféré, c'est plutôt de faire disparaître que de faire apparaître. Du moins, quand il s'agit des moyens à financer pour faire tourner nos services publics. Parce que faire apparaître par magie, avec votre baguette magique du 49.3, vous savez aussi le faire en réalité. Car vous avez fait apparaître par magie des amendements dont personne n'a pu discuter, ni en commission, ni en séance. Et oui, car voilà que l'on découvre dans le texte qui nous est désormais soumis un amendement prévoyant de faire payer aux travailleurs et aux travailleuses une partie des formations financées par leur compte personnel de formation. Cette mesure ne figurait dans aucune version précédente du budget 2023, si bien que ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni même les commissions des finances de ces deux chambres n'ont pu débattre de cette proposition. Mais attention aux abus, quand le trucage est trop visible, la magie s'envole, même dans vos rangs, car oui, ça grince jusque dans vos rangs. De même, quand les sénateurs disent non à la suppression de la CVAE, vous rétablissez cette suppression par amendement. Quand ils indexent les dotations globales de fonctionnement des communes sur l'inflation, vous supprimez cette indexation dans la dernière version du budget. Bref, vous ne cessez de piétiner les oppositions. Les chiffres sont là, implacables. Sur 178 amendements retenus pour les deux parties du projet de loi de finances, tous viennent du gouvernement, du rapporteur général ou de députés de votre camp. Pas un seul amendement de l'opposition n'a trouvé grâce à vos yeux. C'est donc une démocratie sans représentation du peuple que vous nous proposez. Un régime où le gouvernement a les mains libres pour mettre en place les pires régressions sociales en toute impunité. Ce monde du libéralisme autoritaire, votre monde, nous n'en voulons pas et nous continuerons à le proclamer haut et fort à cette tribune et partout dans le pays. Madame la Première ministre, dimanche dernier, dans votre discours appelant à rejeter notre motion de censure, vous nous promettiez une nouvelle méthode de dialogue avec le Parlement. À la fin, on se retrouve avec un 9e 49.3. C'est donc ça votre nouvelle méthode, un rap de 49.3. Dimanche dernier, vous reprochiez également à mon groupe de multiplier les motions de censure et donc de nous faire perdre du temps de débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous rappeler que ces motions de censure ne sont que des réponses à votre utilisation frénétique et compulsive de l'article 49.3 de la Constitution. L'œuf, la poule sur l'œuf, pour paraphraser mon collègue Brotherson. Bref, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler une métaphore que vous comprendrez aisément. Arrêtez les 49.3 à répétition et nous arrêterons les motions de censure systématiques. Si vous voulez que cette Assemblée ait le temps de débattre, il suffit de la laisser faire et de laisser votre gouvernement en dehors de tout ça. Le 49.3 n'est pas et ne sera jamais un outil démocratique. Votre généralisation de son usage n'y changera rien. Vous n'arriverez jamais à rendre banal à nos yeux et à ceux des Françaises et des Français vos entorses répétées à la démocratie. C'est donc pour protester une nouvelle fois face à votre passage en force que nous proposons une nouvelle fois de censurer votre gouvernement minoritaire. Par cet acte, nous disons non à votre monde d'inégalité et d'irresponsabilité climatique. Nous disons non à votre libéralisme autoritaire et à la casse de nos services publics.
Nous disons non à votre usage irraisonné d'outils antidémocratiques comme le 49-3. Nous disons non à votre budget austéritaire qui va accentuer la précarité et la pauvreté des plus fragiles. Mais cette motion de censure, c'est aussi un acte en positif. Par elle, nous disons notre confiance dans le peuple souverain, notre confiance dans ses choix. Si ce gouvernement venait à tomber et si des élections législatives étaient organisées dans la foulée, alors nous serions prêts, avec nos partenaires de la NUPES, à affronter le suffrage universel et à gouverner le pays. Nous n'avons pas peur de la sentence du peuple souverain. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à voter cette motion de censure à nos côtés. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Marie-Christine Dalloz pour le groupe des Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, on prend les mêmes et on recommence. Madame la Première Ministre, vous avez fait votre adage, c'est pour la 9e fois en 2 mois. Nous voici donc de nouveau devant vous pour débattre de la motion de censure déposée par la présidente Panot et ses collègues de la France Insoumise suite au déclenchement de la procédure du 49-3 dimanche dernier. Une motion de censure qui nous permet de nous exprimer sur vos agissements et votre mépris éhonté vis-à-vis de la démocratie parlementaire que vous bafouez depuis des semaines. Comment accepter que les travaux du Sénat, qui ont représenté des heures de discussion, soient ainsi écartés en quelques minutes? Comment accepter que nous n'ayons eu que quelques heures dans la nuit de mardi à mercredi dernier pour déposer nos amendements en commission des finances? Comment accepter que la représentation nationale ait même été privée de discussion générale en seconde lecture sur un texte qui engage durablement les finances de notre pays? La réalité, Madame la Première Ministre, c'est que vous refusez le dialogue. Depuis le début, vous justifiez le recours au 49-3 en arguant qu'aucun groupe d'opposition ne vous a fait connaître une évolution de sa part sur le vote final. Mais comment le pourrions-nous ? Avez-vous décidé de revoir votre copie, d'écouter la parole des Français que nous portons ? Aucunement. Écoutez-vous la détresse des TPE, des PME face à l'envolée des prix de l'énergie ? Dans ma circonscription, c'est 500% d'augmentation du tarif électrique pour une entreprise jurassienne dont le chiffre d'affaires, malheureusement, est supérieur à 2 millions d'euros. Quelle solution pour garantir l'avenir de cette entreprise, Madame la Première Ministre ? Savez-vous que des petits commerces de proximité ferment les uns après les autres dans nos territoires ruraux ? Entendez-vous ces milliers de Français qui doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer ? Pas davantage. La vérité, c'est que vous n'acceptez pas que nous dénoncions l'insincérité qui entache ce projet de budget pour 2023. La vérité, c'est que votre majorité n'est plus suffisante pour vous permettre de mettre en place la politique de déclassement de la France que vous menez aux côtés du président de la République. Le passage en force est votre seule arme. C'est à vous seul qu'en incombe la responsabilité. L'automne budgétaire a démarré en octobre dernier, et avec lui sont apparues les premières désillusions sur vos capacités à assainir les finances publiques de la France. Le premier budget de ce second quinquennat aurait pourtant été l'occasion d'enclencher un véritable paradigme vers plus de responsabilité budgétaire. Or, nous avons très vite constaté, avec regret, que le gouvernement avait renoncé à tout effort de réduction de notre dette, dont la soutenabilité est de plus en plus incertaine. Ce budget a été construit sur des hypothèses trop friables en raison des incertitudes liées au contexte géopolitique et ses potentiels effets sur l'inflation. Si bien que l'objectif de déficit fixé à 5%, déjà extrêmement peu ambitieux, affiché par Bercy, se révèle intenable. Madame la Première Ministre, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce que vous n'avez manifestement pas. Sur ce point, le Haut Conseil des finances publiques a été très clair dans son avis du 26 septembre dernier. Vos prévisions sont jugées optimistes, masquent en réalité une simple stabilité du déficit public effectif, une amélioration au mieux limitée du solde structurel et une quasi-stabilité du ratio de dette, rendant ainsi lent et incertain, je les cite toujours, le redressement des finances publiques pour 2023. Tout est dit. Pire encore, sourde à toute remise en cause,
vous vous entêtez sur une hypothèse de croissance à 1%, à laquelle personne ne croit, même pas le président de la République. Ce dernier estime dans sa dernière interview au président, aux Parisiens, que le taux de croissance pour 2023 devrait se situer entre 0,5 et 0,7. On n'est pas au 1 point que vous avez pris en compte dans la création de ce budget. Même publiquement désavoué, vous êtes incapable de reconnaître vos erreurs. Là encore, où est la sincérité? Pourtant, notre pays se trouve à un moment charnière, celui de retrouver sa capacité à investir pour réamorcer sa réindustrialisation et renouer avec une croissance forte et pérenne. La réalité, c'est que les mesures structurelles d'économie pour y parvenir constituent l'angle mort du projet de loi de finances et que le dérapage se poursuivra encore en 2023. Ainsi, les dépenses ordinaires, hors crise, vont ainsi bondir de 62 milliards d'euros. Par ailleurs, les aides d'urgence en soutien au pouvoir d'achat des Français et à l'activité de nos entreprises, telles que le bouclier tarifaire, ne sont que temporaires et ne règlent en rien le problème de fond qui reste celui de la fixation du prix de l'électricité. Ainsi, pour 2023, les tarifs d'électricité proposés aux entreprises seront plus élevés, beaucoup plus élevés qu'en 2022, et en dépit de l'article 42 ter, la situation inquiète terriblement. Les mesures de soutien de l'État risquent de laisser les entreprises dans une situation intenable. Je déplore qu'en commission des finances, aucun débat sur les fondamentaux, le périmètre, le montant des crédits, les entités éligibles de l'article 42 ter, n'ait permis de nous éclairer sur une question aussi vitale pour les entreprises dans notre pays. En somme, le manque de courage politique de l'exécutif conduit à un véritable déclassement de la France. Nous figurons dans le quintet des pays les plus endettés de l'Union européenne, que nous serons les derniers à retrouver, et nous serons les derniers à retrouver un déficit en dessous des 3%. Ce budget réduit encore davantage notre marge de manœuvre et nous rend vulnérables vis-à-vis de nos partenaires européens. Enfin, je souhaite m'arrêter sur le sort que vous réservez aux collectivités territoriales. Vous avez fait le choix de réintroduire en catimini l'article 40 quater dans ce PLF, qui n'est autre que la copie de l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques portant sur le pacte de contrôle des collectivités. Cet article, dénoncé par toutes les oppositions et rejeté à l'Assemblée nationale comme au Sénat, acte purement et simplement la mise sous cloche des collectivités. Malgré les demandes répétées des élus locaux et de la représentation nationale, aucune hausse des dotations n'est prévue dans ce nouveau budget, alors que les collectivités supportent des dépenses de gaz, de fioul, d'électricité, les avenants 43, 44, le Ségur, tout ça, vous les avez décidés, et elles connaissent une expansion sans précédent, ces dépenses. Le mégawattheure coûte actuellement 1 000 euros contre 85 euros l'an dernier à la même époque. Les années de croissance vécues au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron auraient pourtant été l'occasion de soutenir les territoires les plus en difficulté et prévenir les situations de crise. Au lieu de cela, le gouvernement a délibérément choisi de maltraiter nos territoires et d'avancer à l'aveugle. Après la baisse de 11 milliards entre 2015 et 2017, Emmanuel Macron avait pourtant promis la stabilité de la DGF sous son premier quinquennat. Concrètement, le gouvernement a annoncé pour 2023 une augmentation de 200 millions d'euros de la DGF. Et si 70% des collectivités constateront leur dotation maintenue ou légèrement augmentée, les 30% restantes verront leur DGF baisser, soit à cause d'une perte de population, soit par écrêtement pour financer la hausse de celle des autres territoires. Je souhaite rappeler que les collectivités assurent, garantissent une bonne gestion. Les efforts budgétaires qu'elles consentent pour respecter l'obligation de voter un budget à l'équilibre, vous devriez vous en inspirer, Madame la Première Ministre. Il est pourtant du devoir de l'État de réfléchir à des dispositifs pérennes pour les accompagner au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Comment voulez-vous que nous puissions trouver un accord et établir un lien de confiance avec les élus locaux dans de telles conditions ? Vous êtes pourtant capable de bon sens, nous sommes pourtant aussi capables de bon sens, comme lors de l'examen du PLFR 2. Les Républicains, nous avons obtenu des avancées majeures qui nous ont conduits en responsabilité à ne pas rejeter le texte, le PLFR 2. Le soutien accru à la rénovation thermique des logements des Français, l'aide exceptionnelle pour les Français qui se chauffent au bois, étaient de bonnes mesures.
Madame la Première ministre, nous nous trouvons sur une ligne de crête. Le chemin est étroit. Écoutez ce que les Français ont à vous dire. Ils sont inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants. La continuité de l'État doit être assurée. C'est pour cette raison principale pour laquelle les Républicains ne vont... C'est pour cette raison que les Républicains ne voteront pas cette motion de censure. J'entends déjà ceux qui feront le choix de hurler avec la meute. Ce sont eux les irresponsables. Qu'adviendrait-il si le gouvernement tombait et que la France ne se dotait pas d'un budget pour l'année à venir ? Qu'adviendrait-il si les services publics élémentaires n'étaient plus assurés ? Croyez-vous que ce soit ce que les Français attendent de nous ? Je ne le pense pas. Les extrêmes ont fait le choix d'une alliance par intérêt, celui de voir s'installer le chaos. Ne soyons pas dupes. Pour autant, nous vous mettons en garde, Madame la Première ministre. La rentrée de janvier s'annonce décisive et difficile. Merci. Nous vous attendons au tournant et attention dans le courant de l'hiver aux sorties de route. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Perrine Goulet pour le groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, nous voici arrivés à l'une des dernières étapes de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2023, le premier de cette 16e législature. Je dois avouer que le 19 juin dernier, après avoir recueilli avec joie la nouvelle de ma réélection par mes concitoyens de la Nièvre, j'ai essayé d'imaginer le fonctionnement de cette inédite assemblée pour les 5 prochaines années. Je dois le dire, j'ai un moment caressé l'espoir qu'à l'instar des États européens ayant mis en place le scrutin proportionnel, les logiques partisanes finissent par céder devant la volonté d'avancer ensemble. Force est de reconnaître que ça a été le cas sur plusieurs textes de loi depuis le début de cette législature, notamment sur le projet de loi pouvoir d'achat cet été, la récente loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur et la bonne tenue des discussions ces derniers jours sur le projet de loi d'énergie renouvelable qui, je l'espère, sera lui aussi adopté. Mais cette recherche de compromis n'a pas survécu à ce marqueur politique qu'est le budget. La réalité, c'est que pour de basses raisons politiques, à droite comme à gauche, vous avez décrété, avant même d'avoir vu ou étudié le texte, que vous ne voteriez pas le budget de la nation. Or, nous sommes ici des députés de la nation. Et nous avons à ce titre une responsabilité envers elle, envers ses habitants, envers ses entreprises, envers ses fonctionnaires, envers ses salariés, ses retraités, envers ses enfants. Notre responsabilité, c'est de permettre à la nation de vivre. Plus encore, certaines propositions montrent bien votre volonté de ne pas voter ce budget et même d'être constamment dans le coup d'éclat. Par curiosité, j'ai essayé de compter les crédits que les députés de la NUPES souhaitaient ouvrir en première lecture sur la mission enseignement scolaire. Je me suis arrêtée au 10e milliard proposé. Et que dire de nos concitoyens qui appellent à plus de sécurité pour leurs biens et leurs personnes et pour lesquels ils n'ont comme proposition que de désarmer nos forces de l'ordre. Enfin, d'autres font des leçons sur la bonne tenue des finances publiques en hémicycle et dans les médias, mais font dans leurs amendements l'exact contraire. Il est facile de s'inquiéter du fardeau de la dette qu'on laissera à nos enfants, tout en voulant supprimer l'ensemble des droits de succession. Nous avons donc une gauche qui ne pense qu'à piocher dans les poches des Français qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour créer de la richesse de notre pays, et qui porte notre modèle social, et une droite qui veut dépenser un argent qui n'existe pas, tout en fustigeant une dette qui augmente.
Je noircis peut-être un peu le trait et nombre d'amendements ont permis d'enclencher des débats nécessaires, comme sur la fiscalité de l'immobilier en zone tendue, les profits exceptionnels de certaines entreprises ou encore le prix de l'énergie. Certains amendements de pratiquement tous les groupes ont même été retenus dans le texte du gouvernement, par exemple sur les collectivités ou encore pour nos agriculteurs. S'agissant de la mission Solidarité, je voudrais saluer nos avancements sur le financement de la Civise, même si, comme chaque rapporteur spécial sur ces sujets, j'ai encore beaucoup d'idées sur comment mieux mettre en œuvre les politiques publiques en la matière et je continuerai à vous formuler de nouvelles propositions dans les prochaines semaines et mois afin de soutenir les plus fragiles de nos concitoyens. Si le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution est un choix de responsabilité et que les conditions posées par la Constitution de son exercice ont fortement contraint l'examen de ce texte, je voudrais toutefois formuler ici quelques regrets et frustrations sur les conditions dans lesquelles nous avons examiné le texte dont nous sommes tous responsables. Cet automne budgétaire est en effet un peu frustrant. Je le disais, car un débat budgétaire dans l'hémicycle, c'est l'opportunité de parler des Français, de leurs difficultés, de leurs craintes, de leurs espoirs, de leurs ambitions aussi, car notre pays en regorge. Frustrant aussi, car le budget de la nation est la représentation de l'ensemble des politiques publiques. C'est l'opportunité de jauger leur efficacité, l'opportunité d'entendre, et souvent saluer d'ailleurs, le travail mené durant l'automne par nos collègues rapporteurs spéciaux qui peuvent nous livrer l'analyse fine, éclairée et nécessaire des pans de budget qu'ils ont à traiter. Ce travail, parfois aride, et il me semble nécessaire pour éclairer la représentation nationale et parfois même le gouvernement. Notre travail de rapporteur spécial, c'est de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité des politiques publiques jusqu'au dernier kilomètre. Et au final, de pouvoir proposer et discuter avec le gouvernement des nécessaires ajustements de ces politiques publiques. Cela, mes chers collègues, par le dogmatisme et le comportement de certains, nous en avons été privés. À renvoyer la faute sur le gouvernement, vous manquez l'opportunité de l'exercice d'un examen de conscience. Le projet de loi de finances est normalement un moment où chaque député, chaque famille politique peut défendre sa vision de la France de demain. J'espère que nos concitoyens auront vu à quel point certains se moquent d'eux, préférant à un programme solide des coûts de communication appuyé sur une vision erronée de l'économie. Ma famille politique a souhaité vous proposer un ensemble de mesures cohérentes ou, dans certains cas, des pistes de travail notamment sur la fiscalité du capital, des revenus d'activité ou encore des petites entreprises. Toutes ces propositions n'ont pas eu votre assentiment ni celle de l'Assemblée. Nous le regrettons. Je voudrais toutefois rappeler que le pays a changé. La crise sanitaire est passée par là. La crise économique aussi, malgré nos efforts pour l'endiguer. La crise ukrainienne, d'où nous voyons les effets ailleurs que sur le front, avec ses gagnants et ses perdants. Et enfin, la crise énergétique, fruit de la crise ukrainienne et d'un marché qui dysfonctionne. Dans ce monde qui change, nos pratiques doivent changer aussi. Et nous ne devons pas avoir de tabou en matière d'imposition. C'est une attente des Français que de voir plus de justice fiscale. L'impôt existe. Les Français y consentent. Et si en face, ils ont les politiques publiques qui vont avec, comme la sécurité, la justice, l'école, la santé, la solidarité, je suis convaincue qu'ils accepteraient qu'on les augmente un petit peu, surtout sur les revenus du capital. La question doit se poser et ne doit être ni un totem, ni un tabou. Je suis persuadée que ces propositions sont rassembleuses et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour en rediscuter une fois ce projet de loi de finances pour 2023 adopté. Car il faut ce budget pour la France. Car il répond aux besoins de nos concitoyens pour faire face au ralentissement économique, à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Et mes chers collègues, nous espérons que l'année prochaine, vous sortirez des pures postures politiques pour travailler les textes, car les enjeux pour les Français et la France n'attendent pas d'hypothétiques dissolutions ou hypothétiques prochaines élections. C'est maintenant
qu'ils veulent que nous soyons au travail pour eux. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, qu'il n'y ait plus de recours au 49-3 pour les projets de loi de finances. Il ne tient qu'à nous de pouvoir débattre en sérénité de ces projets de loi. S'il vous plaît, merci d'écouter l'orateur pour jusqu'à conclure, la fin de son intervention. Madame la ministre, Madame la Première ministre, s'il vous plaît, Monsieur Mathieu, Monsieur Je Coulet. Vous confirme que vous avez toute la confiance du mouvement démocrate et bien entendu, nous continuerons à vous soutenir et nous ne voterons pas cette énième motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Inaki Echaniz pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les Ministres, pardon. Nous sommes usés par vos méthodes, méthodes qui nous obligent à nous battre via de multiples motions de censure pour pouvoir nous exprimer sur le projet de loi de finances 2023. Nous sommes usés de voir tant d'amendements importants et utiles balayés, ou pire, supprimés, adoptés puis supprimés dans la version finale de ce projet de loi. Nous sommes usés de voir des amendements refusés par la représentation nationale, puis ajoutés en catimini au Sénat ou dans un de vos innombrables 49-3. Nous sommes usés de la longue litanie de critiques suggérant que nous, parlementaires élus par le peuple, ne voudrions pas travailler avec le gouvernement, alors que les 9 49-3 dégainés avant même la fin ou même le début des discussions et la version conservée du texte final démontrent que c'est vous, Madame la Première ministre, qui ne souhaitez pas ce travail en commun. Ce travail en commun, qu'il soit effectué avec l'Assemblée, tout comme avec le Sénat, puisque sur les 112 articles ajoutés par les sénateurs, 90 ont été supprimés. Nous sommes usés de vos arguments justifiant l'arrêt des débats par un soi-disant manque de temps. Le nombre d'amendements était très restreint dans cette nouvelle lecture, et surtout, vous le savez très bien, si le Parlement dépasse les délais constitutionnels, la LOLF permet au gouvernement de mettre le budget en œuvre unilatéralement par ordonnance. Les enjeux de ce texte sont tels qu'il est désolant de constater que vous ne voulez pas entendre et prendre en compte les positions de la représentation nationale. À travers nos remarques, ce sont pourtant nos territoires et leurs spécificités, nos associations, nos acteurs économiques et culturels, nos chambres consulaires, nos syndicats, nos concitoyens qui s'expriment. On ne peut pas museler toutes ces réflexions par peur d'une obstruction fantasmée. Vous nous dites que nous ne voulons pas travailler avec vous, mais c'est faux, Madame la Première ministre. Nous sommes prêts à échanger et à avancer sur des mesures communes. Vous, vous ne souhaitez pas ce travail en commun. Ce projet de loi de finances, dans un contexte si grave, aurait dû être construit en intelligence avec les oppositions. Nous ne pouvons aujourd'hui que constater que sur la forme, tant que sur le fond, vos méthodes ne sont pas satisfaisantes. Ce texte, comme vous en doutez, ne nous convient pas. Il aurait pu porter des mesures fortes et innovantes pour un budget ambitieux en matière d'écologie, comme à travers la conditionnalisation du crédit d'impôt recherche à des critères écologiques, la taxation des activités polluantes ou une réforme de MaPrimeRénov', afin d'y intégrer des vrais critères de performance énergétique. Il aurait pu être un budget qui soutienne le pouvoir d'achat des Français et créer des moyens pérennes, ciblés et soutenables face à l'inflation. L'augmentation du SMIC est urgente, Madame la Première ministre. Ce budget, il aurait pu redistribuer les richesses alors que la précarité explose dans notre pays et que la liste des secteurs qui ont engrangé des super-profits s'allonge. Taxons les super-profits, Madame la Première ministre, les super-dividendes ou les profiteurs de guerre. Ce budget aurait pu aussi améliorer la condition de vie des Français à travers des mesures fortes pour répondre aux urgences comme celle de l'accès au logement, notamment en zone tendue, du renforcement de notre système de solidarité, de l'accès aux études supérieures pour tous, en garantissant des conditions de vie dignes à nos étudiants, ou de l'accès à une formation professionnelle sans condition, et certainement pas celle obligée et d'obliger les demandeurs à participer financièrement, comme cela serait le cas dorénavant avec le CPF. En effet, un amendement de dernière minute introduit au Sénat par le gouvernement et largement précisé dans un prochain décret contraindra les salariés à payer un reste à charge s'ils souhaitent se former. Qu'il y ait de la fraude au CPF, c'est évident. Qu'il faille lutter contre aussi,
mais ne jetez pas le bébé avant l'eau du bain. Ne signez pas l'arrêt de mort du CPF. Et avec lui, la montée en compétence des individus et des entreprises. Cette méthode en catimini est indigne. À tout cela, vous nous répondez, Madame la Première Ministre, suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit une perte de 3,8 milliards d'euros en 2023 et de 7,6 milliards chaque année à partir de 2024. Pour une entreprise comme Total, encore Total, cela représente par exemple 6,5 millions d'euros de cadeaux en 2023 et 13 millions en 2024. Alors que je le rappelle, nous n'avons même pas eu le temps de décaler et de déceler l'impact positif sur l'économie de la baisse des impôts de production en 2021. Vous nous répondez également refus de toute hausse d'impôts, hors réduction justifiée de niches fiscales et sociales. Justement, la niche fiscale pour les plus grandes entreprises, via les captifs de réassurance, par contre, elle, était urgente. La suppression de la niche fiscale Airbnb aussi, alors que le logement est l'un des premiers enjeux de politique publique et que la Fondation Abbé Pierre évalue à 14,6 millions le nombre de personnes fragilisées par la crise du logement, dont 4 millions mal logées ou sans domicile et plus de 10 millions dans des logements surpeuplés ou trop onéreux. Et je ne parle pas de la crise sur les littorales comme au Pays Basque. Vous nous répondrez également austérité pour les collectivités territoriales, alors qu'elles sont étranglées par la crise avec l'augmentation de leurs dépenses liées au coût de l'énergie ou des denrées alimentaires. Le gouvernement abandonne nos communes, pourtant maillon essentiel au fonctionnement de notre pays. Vous nous répondez également austérité pour la plupart des missions d'État, mis à part l'armée, la police, la pénitentiaire. Elles ont évidemment besoin de moyens, mais la justice aussi, la petite enfance aussi, l'école, les universités aussi, l'aide sociale aussi, le logement aussi, le transport aussi, etc. Vous nous répondez affaiblissement de notre système social et de solidarité, porté notamment par la réforme de l'assurance chômage qui poussera les plus précaires encore plus dans la précarité et du RSA. Et bientôt, via de nouveau 1.49.3, la réforme des retraites. Vous refusez quasi systématiquement des propositions pourtant concertées et indolore pour les finances de notre pays, provenant de l'opposition, mais aussi de votre camp, comme une nouvelle taxe sur les super-dividendes, et je pense au président Mattei. Vous nous répondez multiplication d'échecs et d'aides d'État à la place de politiques ambitieuses, notamment en matière d'énergie. Ce budget, Madame la Première Ministre, est bancal et nie les réalités à venir, puisqu'il est fondé sur des hypothèses macroéconomiques détachées de la réalité. Toutes les prévisions des institutions nationales et internationales sont plus pessimistes que celles du gouvernement sur l'évolution de la conjoncture. La probabilité d'une récession en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Europe, aux États-Unis ou mondiale est substantielle, favorisée par une inflation évidemment très élevée et une remontée drastique et soudaine des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Ce budget ne répond pas structurellement aux urgences, contraignant notre pays à une politique fragile de déploiement ponctuel d'aides spécifiques. Pénurie, rationnement, services publics en lambeaux, voilà le bilan de vos choix. Ce budget nie l'intérêt intellectuel d'un débat dans les deux chambres parlementaires, alors que nous sommes au contact direct de nos concitoyens et que nos propositions ont de la valeur. J'aurais préféré, Madame la Première Ministre, être ici pour vous parler d'éducation, des écoles rurales, des services publics, d'agriculture, de pastoralisme, de déserts médicaux, des urgences d'Oloron qui ferment à répétition, et même peut-être de langues régionales. J'aurais ainsi pu qualifier les méthodes de votre gouvernement de Kabourut ou de Kashkogogor. Mais je vous rassure, nous le sommes aussi, Madame la Première Ministre, Kabourut. Nous sommes usés par vos méthodes, mais nous continuerons à nous battre pour lutter contre les inégalités qui sont néfastes pour notre pays, pour soutenir nos collectivités et nos services publics, pour permettre à toutes les Françaises et tous les Français de vivre enfin dignement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizons et Apparentés. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous voilà réunis ce soir pour examiner la motion de censure de nos collègues de la France insoumise. Encore. Peut-être aurais-je dû commencer par là d'ailleurs pour rappeler à nos concitoyens qui n'auraient pas suivi l'ensemble de nos débats
que c'est la 9e fois depuis le début de l'automne que vous utilisez cette possibilité qui vous est offerte de proposer au vote la censure du gouvernement. Cela nous interroge évidemment sur le temps de débat utile que nous avons perdu ces dernières semaines avec ces motions. Cela nous interroge également sur vos motivations réelles et votre capacité à accepter les réalités mathématiques de cette Assemblée. Chers collègues de la France insoumise, n'avez-vous pas encore compris que ces motions n'aboutiront pas? N'avez-vous pas encore compris que vous êtes ici en minorité? N'avez-vous pas encore compris que cette Assemblée nationale que les Français ont choisi d'élire en juin dernier va une nouvelle fois renouveler sa confiance en l'action du gouvernement? La réponse est évidente. Vous avez bien sûr compris tout cela depuis longtemps. Ce que vous faites avec ces motions est donc évident, et il faut le dire, pour que nos concitoyens l'aient clairement en tête. Vous faites de l'obstruction parlementaire purement et simplement. Mais qui en est encore surpris? C'est au fond la marque de fabrique de l'action de la France insoumise dans cette Assemblée. Au débat d'idées, vous préférez les postures simplistes. Au travail parlementaire, vous préférez le buzz sur TikTok. Qu'elle est loin, chers collègues, la gauche de Jaurès et de Léon Blum. Ces réalités de votre action ayant été rappelées, je ne vous ferai pas le plaisir de parler plus longtemps de vous. Et je profiterai plutôt du temps imparti pour rappeler tout ce que le projet de loi de finances apporte à notre pays. Ce budget pour 2023 repose ainsi sur 4 piliers. Le premier d'entre eux est la protection de nos concitoyens face à l'inflation. Ce budget est en effet un budget de protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes face aux hausses importantes du coût de la vie qu'ils connaissent ces derniers mois. Le conflit en Ukraine, la reprise économique post-Covid ont bouleversé les cours de l'énergie et des matières premières. Face à cela, c'est ce gouvernement et cette majorité qui ont mis au cœur de leur action la protection du pouvoir d'achat, en mettant en place dès 2021 le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz qui sera prolongé en 2023 et qui aura permis aux Français de ne pas subir les hausses de prix de l'énergie. En renforçant le financement du guichet d'aide énergie pour nos entreprises et plus récemment l'amortisseur électricité afin que les répercussions des hausses sur les prix soient les plus limitées possibles. En mettant en place l'échec exceptionnel de soutien aux plus précaires de notre pays qui subissent parfois durement ces hausses et qu'il est primordial d'accompagner. Le soutien au pouvoir d'achat a été au cœur de nos échanges, mais quand il s'agissait de dépasser les simples slogans et de proposer, chers collègues de la France insoumise, où étiez-vous? Le second pilier de ce budget, c'est notre soutien aux régaliens. C'est une attente majeure de nos compatriotes qui se rendent compte des conséquences concrètes du sous-investissement dans certains secteurs d'action de l'État que nous avons connus ces 30 dernières années. Ce budget vient rétablir les financements à hauteur des enjeux de notre siècle. Éducation nationale, intérieur, justice, armée, tous les ministères régaliens voient leur budget augmenter dans des proportions inédites. Derrière ces chiffres, ce sont 200 nouvelles brigades de gendarmerie pour nos territoires ruraux. Ce sont des recrutements massifs pour notre justice. Ce sont aussi des revalorisations pour nos enseignants qui font au quotidien un travail formidable pour former la jeunesse de notre pays. Ce sont enfin de nouveaux outils pour que nos armées puissent faire face aux nouvelles menaces de notre temps. Nous le savons, un État régalien fort est un prérequis indispensable pour bâtir un avenir prospère pour notre pays. C'est ce gouvernement et cette majorité qui mettent en œuvre les conditions de cette prospérité. Le troisième pilier de notre budget est celui de l'ambition que nous portons pour l'écologie. Les mesures de soutien à la transition écologique ne manquent pas dans ce budget 2023. Renforcement des crédits dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments, mesures pour le verdissement du parc automobile ou encore déploiement d'un nouveau plan vélo.
C'est une stratégie complète de décarbonation de notre économie, de transformation des pratiques et de préservation de la biodiversité que nous déployons dans ce budget. Si le contexte international nous contraint évidemment à dépenser des sommes importantes pour faire face à la crise énergétique, ce budget permet pour autant de poursuivre et d'amplifier la politique de transition écologique pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le fonds vert, porté par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, viendra par ailleurs renforcer cette ambition directement dans nos territoires. Avec un budget de 2 milliards d'euros, nous donnons ainsi aux élus locaux le pouvoir d'agir localement pour renforcer la performance environnementale et adapter leur territoire au changement climatique. Ces dispositifs seront complétés par les nombreuses avancées du projet de loi relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables que nous continuerons d'examiner dès demain. J'espère qu'au moins sur ce sujet si important, nous pourrons nous retrouver très largement dans cet hémicycle dans l'intérêt des Français. Le dernier pilier sur lequel je souhaitais revenir aujourd'hui, c'est le soutien à nos collectivités locales. Ce soutien, il passe d'abord par l'augmentation inédite de la DGF de 320 millions d'euros, conformément à l'engagement du gouvernement, qui permettra de soutenir les communes les plus fragiles et limitera l'impact de la péréquation pour l'immense majorité des communes de notre pays. 95% de nos communes verront leur DGF maintenue ou augmentée. L'action pour nos collectivités locales passe également par la mise en place d'un filet de soutien à l'investissement qui prendra la suite en 2023 du filet de sécurité que nous avions mis en place cet été pour l'année 2022. Je suis fière que notre groupe Horizon ait été à l'initiative de ce filet de soutien dont le dispositif a pu être enrichi tout au long de la discussion parlementaire. C'est en ce sens que nous avons déposé un nouvel amendement en nouvelle lecture pour prendre en compte les améliorations portées par nos collègues sénateurs et parvenir à un compromis dans l'intérêt des collectivités. Je voulais enfin revenir sur une mesure qui m'apparaît essentielle pour nos communes. Le report des 2 ans de l'actualisation des bases d'imposition des valeurs locatives pour les locaux professionnels. C'était une attente forte de nos communes que j'avais portée par amendement lors de nos débats et que vous avez souhaité conserver, Madame la Première ministre, dans le texte que vous proposez aujourd'hui. En conclusion, je tenais à réaffirmer ici que oui, chers collègues, ce budget est un bon budget pour notre pays. C'est un budget qui prend en compte les contraintes qui sont les nôtres et le difficile équilibre entre maîtrise des finances publiques et protection du pouvoir d'achat des Français face à l'inflation. Les députés de notre groupe ont tout au long de ce texte eu à cœur de mettre au centre de la réflexion collective les sujets qui leur sont chers. Relations avec les collectivités territoriales, renforcement du régalien et maîtrise des finances publiques. Ce budget répond de manière claire à chacun de ces enjeux. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon et Apparenté réitère évidemment son soutien plein et entier au gouvernement. Quant aux collègues de la France insoumise qui balaient d'un revers de main l'ensemble des avancées que porte ce texte, je dis que les Français, eux, ne s'y tromperont pas, qu'ils savent pertinemment que vous ne proposez que des mesures démagogiques et non finançables et que le coût de cette gabegie, c'est sur eux et sur leurs enfants que vous les ferez reposer. Croyez-moi, chers collègues, les Français ont compris sur quel banc se situent ceux qui, au-delà des beaux discours, les défendent réellement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous voici donc, une fois de plus, réunis pour l'examen d'une motion de censure, comme il y a 2 jours, comme chaque fois que passe le couperet froid et brutal de votre recours au 49-3. Il y a 2 jours, quelques instants avant que nous ne débattions de la motion de censure de nos collègues de la France insoumise, François Bayrou, grand penseur de la Macronie, déclarait que sur la réforme des retraites, vous aviez manqué, je cite, de pédagogie. Je
n'aurait pas l'outrecuidance de vous expliquer que la pédagogie s'adresse à des enfants et qu'en la matière, les Françaises et les Français ne sont pas des enfants, mais un peuple adulte qui sait exactement en matière de retraite ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais vous voulez pédagogue, mais vous êtes de bien mauvais élèves de la démocratie parlementaire. Alors, comme Monsieur le ministre de l'Éducation nationale est ici, il le sait mieux que moi, la base de la pédagogie, c'est la répétition. Alors, nous allons nous répéter, et nous sommes malheureusement contraints de nous répéter. Nous vous répétons que votre rapport à la démocratie est délétère. La démocratie, c'est le respect du vote populaire. Le dernier en date, celui du 19 juin, est clair. Il vous a refusé les pleins pouvoirs. Et il vous a, puisque je parlais des retraites, il vous a notamment refusé les pleins pouvoirs sur le refus de votre passage de l'âge de la retraite à 65 ans. Il faudra garder cet aspect en mémoire. Je veux d'ailleurs, si la collègue d'Horizon me le permet, pardon, chers collègues, mais comme nous allons entamer quelques semaines de débats sur la question des retraites, entendre invoquer le grand Jaurès par ceux qui vont s'attaquer à un droit social aussi fort, aussi puissant dans la chair et dans la vie de millions de salariés de notre pays. Honnêtement, ce n'est pas à la hauteur. Laissez dormir le grand Jaurès. Et je veux dire aux Françaises et aux Français qui nous regardent sans doute, peut-être, à cette heure tardive, et qui s'inquiètent sur l'avenir de leur retraite et qui vont se mobiliser dans les villes, dans les mouvements sociaux, dans leur entreprise, sur les réseaux sociaux, leur dire que les députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale seront à leur côté pour faire plier le gouvernement sur le passage de la retraite à 64 ou à 65 ans. Je vous citais le vote du 19 juin dernier, j'aurais pu citer le dernier en date, là aussi. Si Emmanuel Macron a été élu puis réélu, si vous siégez sur ces bancs, ce n'est pas par blanc-seing pour votre politique et votre programme, c'est parce que les Françaises et les Français ont eu le bon goût et le bon sens de faire barrage à l'extrême droite de Madame Le Pen. Vous devriez vous montrer responsable et digne de ce barrage démocratique. La démocratie, chers collègues, c'est le respect du Parlement. Alors c'est vrai, cela vous surprend, vous aviez tenté d'en faire dans le précédent quinquennat une annexe de la start-up nation, excusez mon anglicisme extrêmement mauvais, niant les clivages fondateurs de la République, chers collègues, ceux qui amenèrent ici le grand Jaurès et d'autres à débattre des heures durant, ne vous en déplaise, sur un certain nombre de grandes lois sociales, niant ce clivage, disais-je, agrégeant les renégats des deux camps. Mais là aussi, le 19 juin dernier, les Françaises et les Français ont choisi le retour de la grande histoire républicaine de ce Parlement et le retour du clivage entre la gauche et la droite. Alors, ce Parlement ne vous plaît pas, mais c'est ainsi. Vous dégainez vos 49-3 avant même toute discussion, car vous avez peur des amendements qui pourraient être votés ici. Et quand ils sont votés, d'ailleurs, vous les annulez à l'occasion de vos passages en force. Mais je tiens à vous dire, Madame la Première ministre, là aussi, je ne vous ferai pas l'injure de vous faire une leçon sur ce qu'est le Parlement, mais il y a ici... Non, je viens de vous dire que je ne ferai pas l'injure de vous faire une leçon. Mais je vous le dis dans l'esprit d'une discussion. Si les membres du gouvernement peuvent cesser de m'interrompre, Madame la Présidente, ce serait beaucoup plus sympathique. Mais alors, je vous propose, chers collègues, que l'ensemble des membres de cette assemblée cessent de cesser les interventions des orateurs. Mesdames, Messieurs les ministres, vous êtes ici au Parlement et c'est vous qui êtes nos invités et pas l'inverse. Il faudra vous y faire. Je vous le disais, Madame la Première ministre, sur les amendements qui sont votés, il n'y a pas dans cette Assemblée de vainqueurs et de vaincus. Il y a 577 vainqueurs du suffrage universel, et quand ils votent à une majorité un amendement ou un article, ils s'imposent à vous parce que c'est la loi de la démocratie et du suffrage parlementaire. Alors, Une remarque, si le ministre de la Justice peut cesser de faire des gestes assez déplacés à mon égard, là aussi ce serait très agréable, Madame la Présidente. Voilà, pas obligé de faire des mimes, on peut se tenir ici, Monsieur le ministre de la Justice. Encore une fois, on est au Parlement, ça mérite de la dignité et du respect. Sur vos 49-3, une remarque. Il y a, Madame la Première ministre, puisque vous citez régulièrement Michel Rocard, il y a 49-3 et 49-3. Il y a le 49-3 qui intervient en fin de parcours, si je puis dire, constatant un blocage, après avoir sincèrement
tout tenter et en acceptant les votes souverains émis au cours de la discussion par ce Parlement sur tel ou tel amendement. Et il y a vos 49.3 à vous qui feront date dans l'histoire, compulsifs, immédiats, brutaux et foulant aux pieds les amendements votés souverainement par ce Parlement. Voire même, sortant des amendements venus de nulle part sans jamais qu'ils n'aient été discutés ni ici ni en commission des finances. La démocratie, enfin, ce n'est pas qu'un mode d'organisation, une méthode, ce sont aussi des valeurs. Et je tiens à vous le dire dans un moment qui est particulièrement grave pour notre histoire. Quand... Oui, mes chers collègues, c'est sérieux. Quand des parlementaires qui tiennent une réunion publique sont menacés à coups de barre de fer, quand les affiches d'un parlementaire sont taguées avec des croix gammées, quand chaque jour des parlementaires sont injuriés, menacés, agressés, dévaloriser le rôle du Parlement est particulièrement dangereux. Dire aux Françaises et aux Français que le Parlement ne servirait à rien est particulièrement dangereux et renforce ce sentiment anti-parlementaire. Mais c'est vrai qu'avec l'extrême droite, vous faites preuve d'un certain laxisme, ou puis-je dire de certains encouragements, qui vous ont conduit à élire deux d'entre eux, là aussi la répétition, désolé, d'élire deux d'entre eux aux vice-présidences de l'Assemblée nationale, qui vous conduisent à tenir dans cette Assemblée un discours visant à amalgamer vos oppositions, la gauche républicaine et l'extrême droite raciste et nationaliste, qui vous ont conduit et qui conduisent le ministre de l'Intérieur à refuser de qualifier d'extrême droite les violences que subissent certains de nos collègues ces derniers jours, qui ont conduit le même ministre de l'Intérieur à faire un lien, à établir un lien que jusque-là, seule l'extrême droite avait accepté de faire entre immigration et délinquance, ou à dire de Mme Le Pen qu'elle était trop molle. Et qui vous conduit là aussi à une grande timidité, une grande fébrilité quand la liberté pédagogique est remise en cause par un groupuscule proche du mouvement raciste Reconquête qui menace une enseignante qui veut simplement permettre à ses étudiants de visiter le lieu de vie des exilés dans le Pas-de-Calais. Là aussi, votre silence et votre timidité à ce sujet sont coupables de notre point de vue. Chers collègues, j'achève en vous disant que votre légèreté démocratique est coupable car la démocratie vacille. Elle vacille parce que le contrat social est en situation de mort clinique. Le séparatisme des ultra-riches atteint son paroxysme. Face à ceux qui s'accaparent richesses et ressources, votre budget ne change rien. Pendant ce temps-là, pour tous les autres, c'est et ce sera toujours un hôpital public maltraité, des services publics dégradés, un environnement sacrifié, une jeunesse humiliée et des collègues de tous les bancs, d'ailleurs l'ont dit, des collectivités locales méprisées. Voilà pourquoi, Madame la Première ministre, nous combattons votre politique et la méthode brutale avec laquelle vous voulez l'imposer à ce Parlement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, collègues, j'ai quelques scrupules. Mon staff m'avait préparé une intervention pour me dire tout le bien qu'il pensait de la séquence budgétaire que nous venons de traverser. Et puis bon, je me suis dit que comme c'était la 9e fois qu'on disait beaucoup de bien de vous, j'allais renoncer aux mots qu'on m'avait préparés. Et je vais donc me contenter très tranquillement, droit dans les yeux, d'une certaine manière, de vous livrer l'état d'esprit qui est le mien face à cette 9e motion de censure en réponse au 9e 49.3. Est-ce qu'à la faveur de cette séquence budgétaire, raccourcie, rabougrie, amputée, nous avons réarmé la démocratie ? Est-ce qu'à la faveur de ça, vous avez le sentiment que la démocratie malade a été réparée? La réponse à cette question est évidemment non.
en multipliant les actes d'humiliation, non pas seulement à l'égard de l'opposition, mais à l'égard de votre propre majorité, chaque jour un peu plus, vous égratignez, vous abîmez la démocratie de notre pays. Avez-vous, à la faveur de cette séquence budgétaire, réparé les vivants ? Avez-vous quelques actes concrets nous permettant de dire que les aides-soignantes, les AESH, les aides à domicile, celles qui prennent soin des publics les plus fragiles au quotidien et notamment pendant la crise, ont été considérées, reconnues à la faveur de cette séquence budgétaire ? La réponse à cette question est évidemment non. Avez-vous, à la faveur de cette séquence budgétaire, avec un ONDAM en dessous de l'inflation, réarmer l'hôpital, réparer l'hôpital dont la crise Covid nous a pourtant démontré à quel point les soignants nous avaient manqué. Avez-vous, en faisant le tour des services des urgences fermées, en mesurant les déserts médicaux qui avancent dans nos territoires de vie, eu le sentiment de faire œuvre collective sur la question de santé ? La réponse à cette question est non. Avez-vous, à la faveur de cette séquence budgétaire, pris soin des anciens, des aînés, donné les moyens aux EHPAD de ne pas renouer avec le scandale Orpea, avec la maltraitance institutionnelle que représente la prise en charge des aînés dans ce pays ? La réponse à cette question est non. Avez-vous, alors on n'a pas pu en débattre, le budget de l'éducation nationale n'a pas été discuté, à la faveur de cette séquence budgétaire, eu le sentiment de bricoler pour réparer l'ascenseur social de l'école de la République. 2000 suppressions d'emplois dans le primaire et dans le secondaire, l'éducation dans l'enseignement supérieur amputée et les étudiants laissés en carafe à la faveur de budget. Voilà le bilan que nous tirons. Avez-vous, et c'est une question centrale pour nous, à la faveur de cette séquence budgétaire, pris en considération le fait que quand tout fout le camp, ceux qui tiennent la baraque de la République, ceux qui font en sorte que la République tienne, les communes ont été considérées. Votre filet de sécurité est un filet sans maille. Votre filet de sécurité ne fait pas la maille. Votre filet de sécurité asphyxie les collectivités locales. La DGF est en dessous de l'inflation. Les prix de l'énergie ne sont pas amortis. La suppression de la CVAE va continuer de priver l'intercommunalité de sa capacité. Monsieur le ministre, vous faites le moulin, mais vous êtes vous-même un moulin à parole. Contentez-vous de garder les sceaux. Il y a de quoi faire comme ministre de la Justice. Avez-vous donc réarmé les collectivités locales, réparer l'instance de démocratie vivante que représentent les communes ? À cette question, aucun maire n'est en situation de répondre oui. Avez-vous réaffirmé, à la faveur de cette séquence budgétaire, la présence de la République partout et pour tous ? Je pense notamment à nos collègues d'outre-mer, dont vous n'avez pas mesuré l'épaisseur historique, dont vous n'avez pas mesuré l'épaisseur de la crise, et qui, dans ce débat, ça peut vous faire rire, se sont sentis humiliés, abandonnés, discrédités, alors que nous avions fait des propositions intelligentes dans le budget pour être au chevet de la crise qui touche l'ensemble des territoires d'outre-mer. Avez-vous, à la faveur de cette séquence budgétaire, pris le pognon là où il était pour le mettre là où il y en a besoin ? Avez-vous eu le sentiment de corriger les inégalités fiscales dans cette séquence budgétaire ou avez-vous eu le sentiment de les graver dans le marbre ? À cette question, la réponse est évidente. Vous êtes du côté de la finance, vos amis sont de la finance et vous avez décidé de faire payer les riches jamais et de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Avez-vous, à la faveur de cette séquence budgétaire, tenté de répondre à la crise de l'énergie ? Nous avons eu ce débat depuis 10 jours sur les ENR. Vous avez décidé de laisser le marché faire son œuvre. À chaque réunion des conseils de ministres européens de l'énergie, vous vous montrez incapable de faire en sorte de décorréler pour la construction du prix de l'électricité le prix du gaz. Vous vous révélez incapable d'être au chevet de l'économie réelle pour mettre en place des tarifs régulés pour les entreprises, pour les usagers, pour les collectivités locales. En matière d'énergie, le gouvernement est aux abonnés absents. Avez-vous répondu
aux propositions intelligentes formulées de ce côté-là des bancs pour faire en sorte que la bifurcation écologique soit concrètement prise en compte. Nos amendements pour la relance du rail, nos amendements pour la rénovation thermique ont été balayés à la faveur du 49-3. Avez-vous pensé les plaies d'une République qui, chaque jour, un peu plus, se fissure ? Je crois que cette question sérieuse mériterait qu'on s'y attarde. Votre obstination a abîmé la France. Votre dogme thatchérien qui consiste dans toutes les langues à nous dire « there is no society », il n'y a pas d'alternative à la politique que vous proposez, nourrit chaque jour un peu plus en France et en Europe le ventre fécond dont a surgi la bête immonde. La motion de censure, pour nous autres, n'est pas une fin en soi. Elle est un outil répondant à la brutalité que représente le 49-3. Elle est un signal du refus de cette pente que vous voulez aggraver à la faveur de votre projet de réforme des retraites qui va faire mal aux vies. Elle implique, pour ce qui nous concerne, sur un temps long, sur un temps où nous ne rêvons pas tous les matins de vous bousculer à la faveur d'une motion de censure, personne ne croit à cela, elle nécessite sur un temps long pour nous d'incarner l'alternative, de réconcilier la République avec elle-même, de faire en sorte que les oubliés de la République, les humiliés de la République retrouvent chaque jour un peu plus le chemin de l'espérance. Là est l'énergie que nous mettons, y compris ce soir en étant devant vous, là est le signal que nous vous donnons en votant sans hésiter la motion de censure qui nous est présentée. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Pour la neuvième fois, nous avons assisté au même jeu dans cet hémicycle. Le gouvernement, incapable de construire un consensus sur un texte financier, a pointé la responsabilité des groupes d'opposition. Le groupe LFI, auteur de la motion de censure, a accusé le gouvernement de déni de démocratie. Les uns disent que la motion de censure réduise le temps du débat. Les autres, Madame la Première Ministre, interrompent le débat avant qu'il n'ait commencé. Nous l'avons dit, l'utilisation systématisée du 49-3 affaiblit le gouvernement qui y recourt. Tout comme nous pensons que la succession de motions de censure tend à banaliser cette procédure, qui est pourtant un outil puissant. Tout ceci sous le regard des Français, à qui nous donnons un triste spectacle d'une démocratie qui ne fonctionne pas. Mon groupe, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, n'a pas changé de position. Nous sommes toujours un groupe d'opposition et de proposition. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes qui entendent exercer leur mandat librement, avec le sens des responsabilités et de l'intérêt général comme boussole. Pour ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote de cette motion de censure. Ceci étant dit, il est difficile pour nous de ne pas avouer que la pilule du 49-3 est amère. Revenons par exemple sur les amendements adoptés en première lecture en examinant ce qui est advenu de la mission Outre-mer. Une série d'amendements avait été adoptés. Une grande partie a été effacée par la magie du 49-3. Les 30 millions d'euros votés en commission et en séance pour renforcer les aides alimentaires en Outre-mer, effacés. Les 3,6 millions votés en commission et en séance pour aider Saint-Pierre et Miquelon dans la transition énergétique, balayés. Les 10 millions d'euros pour compenser les surcoûts en énergie des entreprises des DROM, les 4 millions pour l'aménagement du territoire et les filières agricoles de diversification, le plan de lutte contre les sargasses dans les outils, tous ces crédits ont été votés par cette Assemblée, ici, avant d'être écartés du texte final. Sur les 200 millions d'euros qui avaient été ajoutés, débattus, votés ici par les parlementaires pour les Outre-mer, seuls 50 millions ont été maintenus. Oui, pour nous, ultramarins, territoires souvent pauvres, en grande souffrance, d'inégalités pour l'accès à l'eau, à la santé, à une alimentation abordable, le bilan est maigre. Quant aux engagements à bâtir des compromis au-delà des clivages politiques, au-delà des oppositions, ils ont fait long feu. Impossible pour moi de ne pas vous alerter sur la situation de mon territoire, sur Mayotte.
de réunions en visite ministérielle, rien ne change sur le fond des grandes orientations de votre gouvernement alors que la situation se détériore sur le terrain. Puisque vous vous piquez d'écologie, je voudrais ici vous parler de la beauté de l'île aux parfums et de notre lagon, de notre biodiversité unique au monde, méthodiquement détruite par les carences de vos services. La déforestation organisée par les clandestins, l'absence de politique d'assainissement, la pollution de rivières et de l'océan sont un crime environnemental qui va rendre Mayotte invivable. Protéger le vivant à Mayotte semble être bien le cadet des soucis de Paris. Un homme a été retrouvé mort dimanche soir après avoir été lynché et amputé à la machette. Un jeune a été poignardé dans un lycée en début de semaine dernière. La banalité de la barbarie nous terrifie, mais ne déclenche pas ici autre chose que des regards horrifiés. L'impuissance gouvernementale quant à Mayotte est insupportable. Je vous le dis, ici, si gérer 375 km² et moins d'un demi-million d'habitants est impossible, il faut revoir les ambitions de l'État et avouer son incompétence. Mayotte n'a pas d'eau courante. Nos enfants se font agresser en allant à l'école. Nous devons nous cotiser pour nous soigner à nos frais à La Réunion ou en métropole, tant notre désert médical est asphyxié par l'afflux de migrants comoriens en détresse. Plus de 80% des soignants dans notre seul hôpital sont des étrangers en situation irrégulière. 80% des inscrits dans nos écoles sont des étrangers en situation irrégulière. Le défi migratoire posé à Mayotte est à la France ce que Lampedusa et Lesbos sont pour l'Italie et la Grèce. Une tragédie humaine. Une asphyxie totale de tous les services publics. Le naufrage de tous les principes républicains. Une population locale abandonnée face à une crise hors du commun. Mais vous avez réussi, ici, l'exploit de tenir un débat sur l'immigration sans même mentionner Mayotte. Sommes-nous donc déjà sortis de la République ? La question se pose pour nous, Français de Mayotte, gouvernés par les décrets, les ordonnances, les exceptions qui nous éloignent légalement du reste du pays. Les retraites atteignent en moyenne 230 euros. 230 euros. La sécurité nationale n'applique qu'une partie des prestations nationales à Mayotte. Lorsque c'est le cas, ces prestations n'atteignent que la moitié du niveau national, alors que le coût de la vie à Mayotte est exorbitant. Faire ses courses sur notre île coûte 60% plus cher à Mayotte qu'ici. Mayotte, territoire le plus pauvre de France. Mayotte, territoire avec la plus faible dépense de l'État par habitant. Mayotte, laissée seule face au drame migratoire, je n'ai jamais entendu votre gouvernement proposer d'accueillir les milliers de migrants comoriens qui arrivent quotidiennement à Mayotte, alors que nous ne pouvons faire face. Jamais. Vous ne proposez pas non plus d'organiser dans l'Hexagone la protection des mineurs isolés qui sont en danger et deviennent des dangers à Mayotte. Rien pour mettre fin au permis de séjour dérogatoire qui régularise à Mayotte les étrangers, mais leur interdit de sortir de notre île. Je pourrais vous parler de l'obstination de votre ministère des Affaires étrangères qui refuse de recevoir les élus mahorais, mais qui déroule le tapis rouge au président comorien qui revendique Mayotte. Que dire de l'inertie de notre diplomatie qui persiste dans la fable de la coopération régionale alors que nos voisins refusent de reconnaître Mayotte française. La semaine dernière, nos jeunes athlètes ont participé brillamment aux Jeux des jeunes de l'océan Indien à l'île Maurice sans pouvoir brandir le drapeau tricolore ni chanter la Marseillaise. Les services préfectoraux ont même souhaité retirer l'accréditation d'un invité qui a osé brandir notre drapeau national. Nous en avions les larmes aux yeux. Nous sommes des Français honteux. Nous, Mahorais, qui nous sommes battus, qui avons voté pour rester au sein de la République française, nous qui donnons nos enfants pour défendre et servir fièrement la mère patrie. La question de l'organisation des Jeux de l'océan Indien à Mayotte est une question toujours sans réponse de vos services. Que font nos diplomates pour imposer Mayotte française et porter notre voix, notre choix ? Notre pays va-t-il utiliser cette opportunité sportive pour enfin engager à Mayotte les investissements massifs nécessaires aux infrastructures, en équipement et en services publics? Pas de réponse. Madame le Premier ministre, je vous le dis ici, encore, la situation à Mayotte est explosive et nous sommes au bord de la guerre civile. L'inertie d'une partie de votre gouvernement, la surdité de certains de vos ministres est lourde de conséquences.
Il y a non-assistance à Mayotte en danger. Et en tant que chef, vous en portez la responsabilité. Mais revenons, Madame la Première Ministre, à la saison des 49-3 qui devrait normalement bientôt toucher à sa fin. Je sens pointer la tentation de la faire durer. Quoi de plus normal, quelque part, vous demeurez un gouvernement sans majorité et le président, faisant mine de ne pas le voir, s'entête à mener une réforme des retraites injuste au pas de charge. Les partenaires sociaux nous font part d'une concertation de façade et il semble que les arbitrages ont déjà été faits. Je note au passage qu'ils interrogent jusque dans votre majorité relative. Contrairement à ce que vous avancez, rien ne justifie une réforme précipitée. Le rapport du COR le confirme. Nous vous disons, attaquons-nous au taux d'emploi des seniors. Trouvons des mécanismes adéquats pour prendre en compte la pénibilité. Avançons sur tous les régimes spéciaux. Et nous attirons votre attention sur le contexte social extrêmement tendu. Les difficultés des ménages pourraient encore s'aggraver ces prochains mois. Pour notre part, nous l'avons rappelé ce matin, et je le dis ici, 65 ans pour la retraite, c'est non. Et nous vous alertons, en cas de passage en force, en cas de 49-3, nous voterons la censure. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Mathieu Lefèvre pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, les motions de censure de l'extrême gauche se suivent et ne se ressemblent pas. Censure commence à rimer avec usure. Dimanche dernier, vous n'étiez plus que 78 députés insoumis à voter votre propre défiance envers le gouvernement. Vous-même n'y croyez plus. Et je dois vous dire combien je vous comprends. Quand l'opposition et le blocage permanent ne font pas et ne feront jamais une politique. Peut-être ne croyez-vous même plus à la politique de l'outrage permanent qui est la vôtre. Cet après-midi encore, vous accusiez l'exécutif de brutalité, d'autoritarisme compulsif et de récidive. La lecture de votre motion de censure ne fait pas preuve de plus de délicatesse ou de finesse d'esprit. Allant lire, Madame la Première Ministre ferait du mensonge permanent le sel de sa politique et le Président de la République n'aurait pas, avec sa majorité parlementaire, remporté les 4 scrutins d'avril et de juin dernier. Mais la seule brutalité dans cet hémicycle, c'est la vôtre. C'est celle qui conduit à refuser systématiquement ce qui peut aider les Français à alléger le fardeau de l'inflation au seul motif que le gouvernement en est à l'origine. Cette brutalité-là, les Français n'en veulent plus et n'en peuvent plus tant ils en ont subi les conséquences par le passé. Et le seul mensonge, le seul déni qui prévalent, ce sont les vôtres, aveuglés que vous êtes par le refus de vos défaites successives à la conquête de l'Élysée et de Matignon. Vous n'avez pas réussi à conquérir les cœurs et les esprits. Vous cherchez désormais à conquérir les passions tristes qui minent de ce pays, sans voir que vous en êtes les principaux artisans. Avec vous, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il en soit. Toutes les oppositions étant bonnes à agréger pour battre ce que vous appelez la Macronie et ce qu'on appelle l'esprit de responsabilité. Plus que 50 voix, nous disait Monsieur Mélenchon, plus que 50 voix, ravi de faire du Rassemblement National le marchepied de la seule quête qui vaille pour lui, la quête du chaos. Nous en sommes désormais à la 9e motion de censure. Vous n'avez pas laissé une seule chance au débat. S'il vous plaît. Quelques minutes seulement après l'annonce du 49-3, dont vous êtes les seuls responsables à raison de votre opposition de principe, vous déposiez une motion de censure. Il est à peine 20h20 ce dimanche quand Madame Panot et son groupe proposent, pour une 9e fois consécutive, de faire tomber le gouvernement. Je le reconnais bien volontiers, c'est votre droit le plus légitime. Mais c'est aussi le droit de la majorité de déplorer cette posture fondée sur le rejet et en aucun cas sur un projet. Quand le constituant a pensé ce délai de 24 heures, sans doute n'imaginait-il pas que 15 minutes suffiraient à se décider pour faire tomber un gouvernement légitimé à 4 reprises par les urnes. Au fond, cette motion de rejet... Cette motion de rejet... S'il vous plaît, chers collègues, est-ce qu'on peut... Elle laissez l'orateur ce que nous s'exprimer, déjà, s'il vous plaît. C'est que vous préférez vous opposer plutôt que de proposer. Vous privilégiez le on refus du rien, débat pour s'il pouvoir vous plaît. Ensuite déplorer son absence. Allez comprendre. Mais pourquoi s'entêter à censurer, à bloquer, à rejeter en permanence alors que notre pays traverse des épreuves qui devraient imposer
à chacun l'humilité de suivre une voie utile à nos concitoyens, mettant de côté les postures. Pourquoi critiquer systématiquement le gouvernement quand aucun autre pays n'a obtenu pareil résultat en matière d'inflation ? Pourquoi avouer aux gémonies une politique qui a évité 750 milliards d'euros de dettes à notre pays, comme de nombreuses faillites d'entreprises ? Pourquoi refuser d'un bloc une politique qui a évité une explosion de la pauvreté en renforçant ses filets de sécurité ? Pourquoi rejeter d'un trait de plume une politique qui permette au chômage de se maintenir à un niveau très bas ? Et pourquoi refuser de faire de l'investissement de nos entreprises une priorité ? À défaut de converger, mes chers collègues, reconnaissez au moins, ayez au moins cette gratitude de reconnaître que les enjeux auxquels nous faisons face, auxquels ce gouvernement fait face, et ce gouvernement dont vous ne souhaitez que la chute, sont inédits depuis des décennies. Crise énergétique, guerre aux portes de l'Europe, inflation à deux chiffres. L'ampleur de ces crises plurielles devrait, je crois, nous imposer à tous de travailler conjointement à la recherche de solutions plutôt que de vouloir ajouter de la crise à la crise. Bien sûr, je sais nos divergences budgétaires et économiques. Vous croyez, mes chers collègues de la NUPES, au pouvoir magique de la dépense publique, comme si toujours plus voulait dire toujours mieux. Vous croyez, mes chers collègues de la NUPES, au pouvoir non moins magique de la taxe et de l'impôt pour répondre aux mots d'un pays pourtant champion du monde des prélèvements obligatoires. Mais à ce double mythe de la puissance collective de l'impôt roi, nous répondons par la récompense du travail, des initiatives individuelles au service du financement s'il de vous notre plaît, modèle cher social. Collègue, est-ce qu'on pourrait juste écouter l'orateur, s'il vous plaît ? Vous n'arrêtez pas d'hurler depuis tout à l'heure, s'il vous plaît, chacun a pu s'exprimer jusque-là, donc un peu de silence. S'il vous plaît. Si... Merci, Madame la Présidente. Non, mais est-ce qu'on peut... S'il vous plaît, on ne s'entend plus. Je vais reprendre parce que vous n'avez pas bien entendu, j'ai l'impression. À ce double mythe de la puissance collective et de l'impôt roi, nous répondons par la récompense du travail et des initiatives individuelles au service du financement de notre modèle social. C'est sur cette base que s'est construit ce projet de budget et c'est pour cette raison qu'en commander le rejet, c'est rejeter d'un bloc une politique sociale fondée sur le dépassement de soi. Antisocial parce que voter cette motion de rejet, c'est refuser de poursuivre la meilleure politique européenne en matière de lutte contre l'inflation. Antisocial parce que refuser ce projet de budget, c'est refuser les baisses d'impôts pourtant indispensables qui se poursuivent avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, avec la suppression définitive de la taxe d'habitation, avec la suppression de la CVAE au service de l'emploi d'ici à 2024. Entre 2017 et 2027, les baisses d'impôts s'élèveront à un niveau inédit à hauteur de plus de 70 milliards d'euros. Au service du mérite, du pouvoir d'achat et de l'emploi, les Français savent qui ont voté ces baisses d'impôts et ils savent également qui les ont empêchées. Antisocial parce que rejeter d'un bloc ce budget, c'est refuser de poursuivre une politique de sérieux budgétaire. La seule capable de nous éviter l'austérité subie, le seul chemin qui puisse nous éviter de transformer la dépense publique d'aujourd'hui en impôts ou en dettes de demain. Oui, la trajectoire budgétaire fixée par le président de la République sera tenue et oui, le déficit public sera stabilisé. Pas pour faire plaisir à Bruxelles, mes chers collègues, pas pour répondre aux diktats des marchés financiers, mais pour nous-mêmes, pour préserver notre propre souveraineté financière. Antisocial parce que son adoption empêchera de rémunérer les enseignants à 2000 euros net par mois, tout comme elle empêchera l'augmentation de 10% de la rémunération des AESH portée par cette majorité à l'initiative de Stella Dupont. Antisocial. Antisocial, mes chers collègues de la NUPES. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter l'orateur jusqu'au bout, mesdames et messieurs, chers collègues ? Est-ce que c'est trop vous demander d'écouter juste l'intervenant ? Chacun s'exprime, chacun à son tour. Nous avons des règles dans cette assemblée. Est-ce que vous voulez bien ? Rassurez-vous, il ne reste que 43 minutes. Voilà, il reste 45 minutes, donc je vous demanderai un peu d'attention, s'il vous plaît. Antisocial, parce que vous allez empêcher les Français qui travaillent de bénéficier d'une remise de 100 euros sur leur plein de carburant. Antisocial, parce que vous empêcherez les petites et moyennes entreprises de ce pays de bénéficier d'un amortisseur tarifaire pour leurs dépenses d'énergie. Antisocial, parce que vous refusez de mettre en œuvre la contribution européenne sur les profits que vous avez vous-même appelés de vos voeux, mes chers collègues. Antisocial, parce que vous refusez, par cette motion, d'aider nos collectivités territoriales à passer le pic inflationniste avec un filet de sécurité que nous avons mis en place pour y faire face. Antisocial, mes chers collègues,
Parce que vous refusez d'un trait de plume. Ça n'est pas un concert, chers collègues. Si vous voulez bien arrêter de chanter. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la dernière fois que je l'indique. Ensuite, je serai obligée de prendre des sanctions. Je vous le dis parce que là, c'est insupportable. Donc maintenant, s'il vous plaît, vous écoutez l'orateur. Et je vous demande... Madame Fiat. Alors, faites attention, parce que là, je vous l'indique. La prochaine fois que vous vous adressez de cette façon à la présidence, Madame Fiat, vous le savez, les sanctions tomberont. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter l'orateur, de ne pas troubler les interventions. Maintenant, Monsieur Lefebvre, seul, a la parole. Merci, Madame la Présidente. J'avais, je crois, raison de parler d'outrage permanent. Antisocial, mes chers collègues, parce que vous rejetez d'un trait de plume le maintien de 200 000 places d'hébergement d'urgence dans notre pays. Antisocial et anti-écologique, parce qu'elle aurait pour conséquence de supprimer des moyens inédits en faveur de la transition écologique et de la rénovation énergétique dans notre pays. Antisocial, mes chers collègues, parce que cette motion, si elle venait à être adoptée, empêcherait de poursuivre la protection de nos compatriotes ukrainiens dans leur effort de guerre comme dans leur accueil dans notre propre pays. Antisocial, parce que si vous la votez, vous refuserez les crédits en faveur de l'intégration par la langue et par le travail qui sont proposés à un niveau inédit dans ce projet de budget. Antisocial, parce que vous refusez de vous donner les moyens d'accéder au plein emploi, comme d'aider les Français à faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Antisocial, parce que vous empêchez le recrutement de 3 000 policiers et gendarmes supplémentaires, parce que vous empêchez la création de 200 brigades de gendarmerie, parce que vous refusez l'augmentation inédite des crédits de nos armées. Antisocial, en somme, parce que vous refusez de protéger ceux qui nous protègent. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, bien entendu, le groupe Renaissance ne s'associera pas à cette énième motion de censure, parce que nous préférons toujours le débat au combat. Parce que nous préférons toujours les propositions à l'opposition, parce que nous privilégierons toujours les petits matins de la France qui travaillent et qui se lèvent tôt au grand soir des donneurs de leçons qui pensent avant d'agir. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Brian Masson pour le groupe de Rassemblement National. Et seul, je rappelle, mes chers collègues, avant que l'intervenant commence son intervention, que lui seul a la parole. Je vous remercie. Oui, Madame Fiat, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, au mois de juin dernier, nous, députés du Rassemblement national, sommes rentrés à l'Assemblée avec les meilleures intentions du monde. Nous sommes les élus d'un parti populaire, résolument tourné vers le quotidien des Français, ce qui fait de nous le premier groupe d'opposition au sein de cet hémicycle. J'appartiens à une génération qui veut renouer avec la politique, car je l'estime indispensable au fonctionnement de notre démocratie et plus largement de la nation tout entière. De votre côté, Madame la Première Ministre, depuis votre premier 49-3, le 19 octobre dernier, vous imposez des coups de pression à notre Assemblée, des comptes à rebours permanents qui la maltraitent. Une façon peu respectueuse, il faut le dire, de traiter la représentation nationale qui émane, je le rappelle, directement du peuple souverain. Alors, lorsque je vous ai vu hilar avant-hier soir pour avoir dit que les députés refusaient le débat, à ce moment, j'ai compris ce qu'était l'Assemblée nationale pour vous et votre gouvernement. Tout cela n'est pour vous que du cinéma et du théâtre. Une vulgaire comédie où on vient jouer son rôle et sa partition aux ordres du président de la République qui fait fi de la représentation nationale. Tout cela n'était qu'un jeu pour vous, très loin de la réalité des Français. Mais visiblement, ce que vous n'avez pas compris, Madame la Première Ministre, c'est qu'après 4 49-3 sur le projet de loi de finances 2023, votre budget, à l'image de votre bilan, va toujours dans le mur. Il est toujours mauvais. Alors oui, Madame la Première Ministre,
Vous avez des comptes à rendre à la nation et aux représentants de celle-ci que nous sommes. Vous abusez de cet article de la Constitution, Madame la Première Ministre, car vous n'avez pas de majorité dans cet hémicycle. Et vos contorsions et vos appels de pied n'y changent rien. Vous en avez banalisé le maniement en l'appliquant systématiquement, automatiquement à l'ensemble des textes budgétaires, aussi bien sur le projet de loi de finances que sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et on parle déjà maintenant d'un futur 49-3 sur un projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif pour faire passer votre réforme des retraites et imposer 65 ans comme âge légal de départ. Mais les Français ne sont pas dupes, ils savent ce que vous préparez. Et si le président Macron a finalement décidé de laisser passer les fêtes de Noël et du Nouvel An pour le présenter, l'opinion ne changera pas par un coup de baguette magique en janvier. Elle sera, et nous serons, toujours face à vous. La réalité est que vous êtes à mille lieues de ce que vivent nos compatriotes. Se chauffer devient un luxe, se nourrir une difficulté, se soigner une option. Nos artisans mettent la clé sous la porte, nos retraités se serrent la ceinture et nos jeunes s'exilent. Qu'avez-vous fait de notre pays qui a connu les Trente Glorieuses et qui a permis à nos parents et à nos grands-parents de réussir et de s'épanouir? La France était le pays où les hôpitaux fonctionnaient, où la sécurité est la première des libertés, où le service public était de qualité, dans lequel les Français vivaient en paix. Vous en avez fait un pays du tiers-monde, dans lequel nos concitoyens s'appauvrissent et ne se reconnaissent plus. Mais le gouvernement Borne, résolument borné, semble être loin des priorités les plus urgentes, puisqu'il décide de faire de la réforme des retraites son nouveau cheval de bataille, bien qu'il ait davantage l'air d'un âne batté. La NUPES a donc décidé de vous opposer ce soir une 8e motion de censure, tout en refusant notre proposition de front uni contre votre politique, courageux mais pas téméraire. Les LR, quant à eux, sont toujours aux abonnés absents, occupés à élire leur nouveau président et tenter de préserver les vestiges de leur légitimité d'antan. Cette répétition enlève solennité, puissance et gravité à cet acte fort de notre Constitution. Car une motion de censure est une démarche politique lourde de sens. En la galvaudant, ce sont nos institutions de la Ve République que vous affaiblissez. La NUPES aligne les motions de censure comme on aligne les trophées pour faire oublier ses brebis galeuses et ses propres divisions qui apparaissent chaque jour un peu plus. Et comme si la mésentente des partis qui la composent ne suffisait plus, les divisions s'affichent désormais au sein des propres formations qui la composent. Hier les écologistes, aujourd'hui les insoumis, demain les socialistes. La NUPES n'est plus qu'un agrégat qui ne tient que par la haine qu'elle voue au Rassemblement national et qui vous arrange parfaitement dans votre gouvernance. En retirant leur proposition de loi sur la réintégration des soignants non vaccinés ou encore sur le pouvoir d'achat des Français pour ne pas avoir à faire front commun avec le Rassemblement national, la NUPES prouve que sa posture politicienne emportera toujours plus que l'intérêt général. Mais nous sommes et nous resterons la voix des millions de Français qui ne craignons pas les urnes, bien au contraire de vous. Nous sommes prêts à gouverner et votre incurie, Madame la Première Ministre, nous permettra sans doute de le faire bien avant 2027. Alors oui, chers collègues, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille un budget à la France. Il faut un cap pour notre pays. Et celui que vous nous présentez n'est pas le bon. Il est même le pire. Vous brandissez de manière assez récalcitrante la notion de responsabilité pour tenter de nous convaincre, en vain, d'accepter votre budget. Alors, Madame la Première Ministre, permettez-moi de vous dire que le groupe auquel j'appartiens n'a de cesse d'agir avec responsabilité en amendant vos projets de loi de sorte à les rendre plus justes, plus adaptés, plus acceptables. Nous, députés du Rassemblement national, ne sommes pas des irresponsables. Nous ne voulons pas bloquer les institutions. Nous appliquons ce pourquoi nous avons été tous élus, c'est-à-dire vous empêcher d'appliquer vos réformes qui, elles, sont irresponsables. Cela n'aura échappé à personne. Vous êtes les spécialistes du « en même temps ». Vous êtes sur les plateaux les partisans du dialogue et du compromis. Et dans le même temps, en commission et dans l'hémicycle, vous rejetez toutes nos propositions visant à améliorer le quotidien des Français. Le président de la République a même cru bon de créer le Conseil national de la refondation, un énième artifice de communication pour feindre une volonté de dialogue, alors que nos institutions prévoient déjà une assemblée visant à débattre de l'avenir de notre pays, et c'est celle d'ailleurs dans laquelle nous siégeons, mes chers collègues, ce soir. TVA à 0% pour les produits de première nécessité, baisse de la TVA sur toutes les énergies, nouvel impôt sur la fortune financière. Toutes ces mesures que vous avez balayées d'un revers de main au mépris de nos compatriotes qui subissent de plein fouet la crise. En réalité, vous ne cessez depuis le début de cette mandature d'agir en irresponsable et vous vous retrouvez désormais au pied du mur, acculé devant le constat terrible de votre échec. Nous traversons une crise énergétique sans précédent qui, contrairement à ce que vous agitez en permanence, n'est pas le fait de la conjoncture.
Elle est le fait de votre politique néfaste. La France, sixième puissance mondiale, devient donc dépendante du reste du monde en énergie. Des villes entières en passent d'être plongées dans le noir. Et les Français découvrent ahuris des factures d'électricité exorbitantes. Influencés par une idéologie sinistre, les gouvernements successifs ont laissé notre parc nucléaire se démanteler, alors que notre balance commerciale de l'énergie était excédentaire. Elle se retrouve désormais déficitaire et la France est aux abois, complètement dépendante de l'extérieur en matière d'énergie. Gouverner, c'est prévoir. Et vous n'avez rien prévu, vous avez tout aggravé et vous continuez de le faire. Le gouvernement a tout l'air d'un office de gestion de crise à la déroute, une vision court-termiste qui ne résout en rien les sujets de fond et laisse place à une politique ruineuse, du chèque inadapté et inefficace. Que nos compatriotes en aient conscience, il n'y a aucune fatalité. La crise énergétique que nous vivons aujourd'hui et la crise alimentaire que nous vivrons demain n'ont rien d'événement conjoncturel. Elles sont les conséquences directes des choix politiques faits par ce gouvernement et les autres. Ces choix sont nombreux. Soumission à la gauche en abandonnant notre filière nucléaire. Soumission à l'Union européenne en restant dans le marché européen de l'énergie qui participe de cette explosion des prix de l'électricité. Toutes ces forfaitures qui placent la France dans une situation de dépendance, d'asservissement et d'affaiblissement. Vous avez, Madame la Première Ministre, abandonné la gouvernance et la politique au profit de l'idéologie et de la posture. Vous choisissez de sauver la crédibilité de l'Union européenne plutôt que de protéger les Français de l'explosion du prix de l'énergie. Vous préférez légitimer la parole des anti-nucléaires plutôt que de préserver notre indépendance énergétique. Les Français se rappelleront des choix que vous avez faits. Ils se rappelleront que vous avez privilégié les autres devant les nôtres. Ils se rappelleront que vous avez choisi de défendre vos idées avant de défendre leurs intérêts. Ils se rappelleront que vous avez méprisé nos institutions et ainsi la parole de la représentation nationale et feront en sorte que votre gouvernement soit le dernier avant l'alternance incarnée par Marine Le Pen et le Rassemblement national. Pour conclure, mes chers collègues, non. Non, nous ne voterons pas cette motion de censure déposée en réalité par les complices de votre gouvernement. Et leur laissons le soin d'en déposer une autre quand vous annoncerez votre prochain 49-3. Je vous en remercie. La parole est maintenant à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. S'il vous plaît, mes chers collègues, on ne s'interpelle pas. S'il vous plaît. Quelle ambiance! S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Dupont-Aignan et Dupont-Aignan uniquement. Veuillez cesser de vous interpeller, chers collègues. Est-ce qu'il faut que je crie également pour qu'on m'entende? Donc vous cessez de part et d'autre de vous interpeller, seul Monsieur Dupont-Aignan a la parole. Madame la Présidente, remercie. Madame la Première Ministre, chers collègues, il y a seulement 48 heures, nous étions dans l'hémicycle à débattre de la précédente motion de censure. Et dimanche soir, en réponse aux interventions des députés, vous avez quand même, Madame la Première Ministre, osé vous plaindre de ces séances nocturnes, inversant sans aucune pudeur les responsabilités. Car si les motions de censure se succèdent, c'est bien parce que vous usez et vous abusez du 49-3. Et lors de votre prise de parole, vous avez quand même eu l'audace de vous réclamer de Michel Rocard en oubliant que, contrairement à vous, il n'a jamais osé actionner un 49-3 en première lecture d'un projet de loi de finances sans procéder à l'examen complet du texte. Dois-je vous rappeler que seule, Madame Borne n'écoute jamais les discours, que seules 5 missions budgétaires sur 46 ont été étudiées par cette Assemblée, du jamais vu, mes chers collègues, sous la Ve République. Contrairement à vous aussi, et cela devrait ébranler la majorité, il n'a jamais balayé d'un revers de main des amendements clés portés par sa propre majorité et adoptés par l'ensemble de l'Assemblée, tel que vous l'avez fait pour la taxation des super-profits proposés par le groupe démocrate. Au 9e 49-3, plus aucun Français n'est dupe, franchement, de votre discours larmoyant d'hypocrisie qui prétend que vous êtes ouverte à la co-construction de la loi. Mais de qui vous moquez-vous? Et d'ailleurs, franchement, Madame Borne, en vous voyant sourire à la tribune,
Vous étiez hilar en annonçant le 9e 49-3. J'ai compris, bien évidemment, comme vous tous, que vous ne croyez pas un instant à votre discours. Il n'y a aucune sincérité. Vous obéissez simplement à votre maître, Emmanuel Macron, qui veut gouverner seul, seul contre le peuple, qui méprise les Français et qui obéit à des intérêts extérieurs, notamment à l'Union européenne, qui n'est pas démocratique et qui est corrompu d'un bout à l'autre, comme le prouve le dernier scandale. Pour lui, comme pour votre gouvernement, la parole politique n'a plus aucun crédit. En témoigne ce projet de loi finance, bourré de contradictions. Contradictions d'abord entre le président de la République et vous-même. Entendez-vous sur les hypothèses de croissance ? Entendez-vous sur les hypothèses de croissance ? Ce budget n'est même pas sincère. Contradictions ensuite entre vos grandes promesses écologiques et votre pratique. Vous avez supprimé l'amendement voté par les oppositions qui augmentait les crédits alloués à l'isolation thermique des logements, qui, je croyais, était votre priorité. De même, vous avez exclu l'amendement sur la rénovation du tissu ferroviaire, alors que le président de la République nous annonce maintenant 10 RER dans les métropoles de province. Mais de qui se moque-t-on ? Contradiction, enfin, dans votre volonté d'aider nos entreprises. Vous refusez de mettre en place un vrai bouclier tarifaire pour nos PME qui sont asphyxiées par la hausse de l'électricité. Des milliers d'artisans, de commerçants vont mettre la clé sous la porte dès le mois de janvier à cause de vous. Et pourtant, vous pourriez rétablir un prix national de l'électricité comme cela a été réclamé sur tous les bancs. Prix national de l'électricité, les Portugais, les Espagnols l'ont fait et proposent un mégawattheure à moins de 200 euros, l'Allemagne à 130 euros. Et vous, évidemment, vous préférez que des opérateurs privés achètent sous vos ordres à 42 euros le mégawattheure l'électricité à EDF et vous ruinez EDF et le revendre entre 400 et 600 euros à nos boulangers, à nos bouchers. Tout ça pour enrichir des opérateurs privés qui sont vos amis sans aucun doute. Comment accepter cela ? Alors oui, je persiste et je signe. Vous n'êtes que les serviteurs zélés de l'Union européenne et des intérêts allemands. Au lieu de sauver nos petites entreprises, nos boulangers, nos bouchers, tous ces commerces de proximité qui font la richesse de nos villages et de nos villes de France, ah oui, vous préférez créer une niche fiscale sur les captifs de réassurance. Les seuls gagnants, ce seront les amis d'Emmanuel Macron, les oligarques du régime. Voilà la réalité de votre budget. Enfin, contradiction sur le sort accordé à nos collectivités territoriales, bien loin des belles promesses que vous leur avez faites au Salon des maires, il y a très peu de temps. Vous rendez-vous compte qu'à force de dire tout et son contraire, de renier vos engagements d'une semaine à l'autre, le Salon des maires, ce n'est pas il y a si longtemps, vous ne faites pas simplement du tort à votre gouvernement, il est déjà décrédibilisé, ni à votre majorité, elle a déjà abandonné, mais à notre démocratie tout Merci entière, conclure, à notre collègue. République. Il me reste 7 secondes, Madame la Présidente. Je vous en prie. Alors, voilà pourquoi je voterai cette motion de censure. Les Français attendent l'union des oppositions et je regrette une fois de plus que nous n'avions pas tous ensemble aujourd'hui. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, dimanche, j'ai engagé la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. À nouveau, diront certains, à nouveau, oui, car mon rôle et celui de mon gouvernement est d'agir en cohérence avec le choix réalisé par les Français et en garante du bon fonctionnement de l'État et de nos politiques publiques. J'entends et je lis bien des caricatures. Alors je veux commencer par vous dire que je sais ce que cette décision représente et les questions qu'elle peut soulever. Jamais je ne l'ai prise à la légère. Je l'ai toujours prise parce que c'était mon devoir, le devoir qui est confié au gouvernement par la Constitution de la Ve République dont vous semblez, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, découvrir les vertus et qui vous laisse la possibilité de nous renverser
comme vous essayez de le faire ce soir pour la 9e fois. 9 reprises, c'est 3 fois plus que le nombre de fois où votre grand leader a tenté sans succès d'accéder au second tour de la présidentielle. Cette décision, je l'ai prise parce que nous ne pouvions pas prendre le risque de laisser la France sans budget. Et dimanche n'a pas fait exception. Ce vendredi, nous arriverons au terme du délai constitutionnel pour l'examen du projet de loi de finances pour 2023. Nous n'avons pas pu débattre autant que nous l'aurions voulu, en particulier pour cette nouvelle lecture. Mais le dépôt systématique de motions de censure a considérablement réduit le temps de discussion. Nous avons parlé pendant des heures des motions de censure insoumises. C'est ainsi. Mais il est cocasse de voir ceux qui ont amputé le débat crier au déni de démocratie. Et pourtant, la quasi-totalité des missions budgétaires a été adoptée en commission. Et pourtant, des débats ont eu lieu ici, dans l'hémicycle. Et pourtant, l'examen du PLF s'est tenu au Sénat, permettant certaines avancées importantes. Et je reste convaincue que des compromis étaient accessibles. J'en veux pour preuve que les crédits de plusieurs missions ont été adoptés avec les voix de la majorité comme des oppositions. Mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, les Français ont bien compris que vous étiez des opposants résolus, pas d'inquiétude. Vous avez toujours parlé et agi clairement. Vous avez gagné vos galons. Vous avez gagné vos galons et vous les auriez gagnés. Vous avez gagné vos galons et vous les auriez gagnés tout autant en déposant une motion lors de la première lecture et une lors de la dernière. Mais cela ne vous suffisait pas. Pour être sûr que l'on sache bien que vous étiez des opposants systématiques, vous vous êtes obstinés, malgré les conséquences sur nos débats, à déposer pour chacune des parties, à chacune des lectures, une motion de censure. Par ailleurs, dans le texte de votre motion de censure du jour, vous avez osé, en citant 1984, un parallèle littéraire aussi excessif qu'insultant. Ça ne m'étonne pas. Vous avez préféré parler de vos textes de motion de censure plutôt que du fond du texte. Assumez-le. Vous parlez fort de démocratie, mais son apprentissage en interne vous semble très difficile. Assumez-le. Alors, comme d'habitude, vous choisissez la diversion par l'outrance. Et puisque vous parlez culture, je pense plutôt à d'autres œuvres en vous lisant et en vous écoutant. Je pense à Raymond Queneau, qui a écrit 99 fois la même histoire, de 99 manières différentes, dans ses exercices de style. C'est à l'évidence le but que vous poursuivez en déposant invariablement la même motion de censure. Et côté cinéma, vous me rappelez le Truman Show. À chaque occasion, vous vous heurtez au mur peint de votre monde imaginaire, vous vous heurtez à la dure réalité démocratique qui n'a pas élu votre candidat et ne vous a pas donné de majorité. Chers collègues, s'il vous plaît. Et certains de vos alliés vous suivent sans prendre la peine de lire le texte. Comment, monsieur le député Jumel, pouvez-vous sérieusement affirmer que ce budget ne se préoccuperait pas des AESH ? Le respect de la démocratie, c'est déjà de lire le texte qui vous conduit à nous censurer. Mesdames et messieurs les députés, je ne continuerai pas cet inventaire longtemps, car je veux faire ce que vous nous refusez, parler de ce texte. Ce budget, c'est une réponse aux difficultés que rencontrent les Français, les entreprises, les collectivités, notamment face à la hausse du prix de l'énergie. Avec le financement du bouclier tarifaire pour les particuliers, les très petites entreprises et les plus petites communes. Avec le filet de sécurité simplifié pour les collectivités, avec les aides pour les entreprises, avec la prime de 100 euros pour aider les travailleurs modestes face à la hausse des prix du carburant. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir juste les conditions normales d'un débat, s'il vous plaît ?
Nous avons Madame la Première Ministre qui a la parole. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, permettre le continuer ce débat tranquillement, s'il vous plaît? Vous n'arrêtez pas de crier, d'hurler. C'est impossible de suivre l'intervention. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, à chacun d'entre vous, que l'on puisse écouter Madame la Première Ministre dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Ce budget... Madame Fiat, je vous ai prévenu. Ouais, non mais vraiment. Donc s'il vous plaît, chacun d'entre vous peut-il faire le silence, Madame la Première Ministre, vous seule avez la parole. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ce budget, ce sont des avancées vers le plein emploi, avec des moyens pour la formation, pour l'orientation des demandeurs d'emploi et 3,5 milliards d'euros pour le développement de l'apprentissage. Ce budget, ce sont des mesures majeures pour la transition écologique et je pense aux 2 milliards d'euros pour le fonds vert au plus près des territoires. Ce budget, ce sont des moyens pour l'égalité des chances, c'est 4 milliards d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale et l'augmentation des salaires des enseignants. Ce budget, c'est notre sécurité et notre réponse judiciaire qui sont renforcées avec 3000 policiers et gendarmes recrutés et une hausse de 8% des moyens de la justice pour la troisième année consécutive. C'est ça, monsieur le député Échanisse, des services publics en lambeaux ? Mais restez dans votre réalité parallèle, mesdames et messieurs les députés. Ce budget, c'est un moment important pour les collectivités avec 2,5 milliards d'euros pour les accompagner face à la flambée des prix de l'énergie, 300 millions d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité et un soutien exceptionnel de 140 millions d'euros pour les régions. Alors je l'assume, Madame la députée Dalloz, je l'assume car c'est indispensable pour notre pays. Et je me permets de souligner la contradiction qui irrigue votre intervention. Choisissez plus de dépenses ou moins de dépenses, mais les deux en même temps, ça n'est tout simplement pas possible. Pourtant, ces objectifs devraient pouvoir nous rassembler sur le fond. J'en tiens pour preuve que nous avons réussi à mener par moments des discussions qui ont abouti sur des compromis. Car oui, mesdames et messieurs les députés, ce budget a, contrairement aux accusations mensongères de certains, bénéficié d'un débat parlementaire parfois constructif. Depuis le début de l'examen du texte, fin septembre, des accords ont pu être trouvés. Je pense par exemple à nos Outre-mer. Des amendements de tous les groupes ont été retenus, nombreux de votre groupe, Madame la députée Youssoufa, mais y compris certains signés par ceux-là même qui veulent censurer le gouvernement. Le texte en ressort amélioré et c'est grâce à vous. Mais évidemment, nous devons être en permanence capables de renforcer nos interventions pour les Outre-mer. Je pense aussi aux moyens supplémentaires dégagés pour nos sapeurs-pompiers ou pour nos capacités d'hébergement d'urgence. Je pense à la dotation biodiversité qui est... Un peu de silence, s'il vous plaît. Je Madame pense la à la dotation... Ministre, vous avez la parole. Je pense à la dotation biodiversité qui a été augmentée de 17 millions d'euros grâce aux efforts conjoints du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je pense aux 3 nouvelles lignes à grande vitesse qui pourront être financées grâce à des amendements socialistes du Sénat, même si je reconnais, monsieur le député Lucas, qu'aucune ne reliera les Hauts-de-France où vous êtes conseiller régional à votre circonscription des Yvelines. Ce ne sont pas des petits sujets, ce ne sont pas des symboles. Par moment, oui, nous avons réussi à avancer ensemble par un débat plutôt qu'une confrontation. Mesdames et messieurs les députés, je vous l'ai dit, engager la responsabilité du gouvernement n'est pas un acte anodin, mais c'est un acte nécessaire
mais c'est un acte nécessaire pour assurer que notre pays dispose d'un budget qui protège nos compatriotes, nos collectivités et nos entreprises. D'un budget cohérent, mais qui tienne compte des différentes sensibilités qui se sont exprimées, c'est le cas dans ce texte. Je vous remercie. Donc je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour 30 minutes. Il sera donc clos à minuit moins 3. La séance est suspendue.
La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288. Pour l'adoption 102, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023 sont considérés comme adoptés en nouvelle lecture. Prochaine séance demain à 15h, suite de la discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. La séance est levée.